Revolution. Ta mission, si tu l'acceptes, mettre l'iPhone en mode défi ou mode récupération. Défi, mode device firmware update. Tu vas pouvoir restaurer, mettre à jour ton iPhone 10 sans aucun problème avec cette vidéo. Tu vas rentrer dans le monde de l'espionnage, mettre le câble, mettre ton iPhone en défi, la technique qui permet de restaurer, mettre à jour, réparer un iPhone X. A tout de suite donc pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous montrer comment mettre votre iPhone en mode récupération. Pourquoi ? Parce que votre iPhone 10 peut rencontrer des problèmes et vous avez pu avoir lors d'une mise à jour un souci quelconque ou vous avez pu avoir un blocage sur votre iPhone 10. Et ici, cette vidéo va vous montrer comment le mettre en mode récupération. Et grâce à ce mode, vous allez pouvoir soit réinjecter un firmware du nom de IPSW.Restore, le firmware officiel de l'iPhone 10 ou de l'iPhone 8 ou de l'iPhone 8 Plus. Car cette technique sera exactement la même pour l'iPhone 8 et pour l'iPhone 8 Plus. Les mêmes manipulations seront à faire. Auparavant, avec les différents iPhones, lorsque le bouton Home existait, on avait la possibilité d'appuyer sur le bouton marche arrêt et sur le bouton Home. Ou lorsqu'on branchait le câble avec l'iPhone, on éteignait notre iPhone, on branchait notre câble, on appuyait sur le bouton Home et l'iPhone se mettait tout simplement en mode récupération. L'iPhone 10 n'étant plus équipé du bouton Home, la technique a radicalement changé et elle va être très spéciale. On va tout de suite donc rentrer dans le mode de récupération. Alors le mode de récupération, c'est lorsque vous voyez le câble de l'iPhone apparaître avec le logo iTunes. Ce mode vous permet donc de restaurer, récupérer un iPhone en mode bug ou alors même de le mettre à jour après avoir beaucoup de difficultés. Sur l'iPhone 10, tout simplement, vous branchez votre iPhone 10. Faire confiance à cet ordinateur. Vos réglages ? Oui. Bouton. Alors, c'est parti pour la technique. On appuie une fois volume haut, volume bas, et on appuie sur marche arrêt jusqu'à ce que l'iPhone s'éteigne. Bouton. Faites glisser ou toucher deux fois l'écran. Une fois l'iPhone éteint, on garde cette position jusqu'à ce que apparaisse notre iPhone en mode récupération. Ici, notre câble est bien apparent, le logo iTunes est bien apparent et iTunes a détecté un iPhone en mode récupération. Vous êtes prêt donc à réinjecter un fichier IPSW. Ce fichier est capable de restaurer votre iPhone. Voilà donc pour cette technique pour l'iPhone 10, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Cette vidéo donc touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, mettez-moi un petit commentaire si vous avez le moindre souci et surtout, pensez à liker cette vidéo et à la partager. Allez, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.